abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. C'est en 2012 que les Français ont fait la connaissance de Marine l'Orphelin, à seulement 19 ans. La jeune bourguignonne était élue Miss France 2013. Une aubaine pour la jolie brune qui finira même première dauphine de Miss Monde après ce couronnement. Comme presque toutes les prétendantes au titre, Marine l'Orphelin suivait des études qu'elle a reprises après l'engouement Miss France et des études de médecine. S'il vous plaît, un intérêt venu un peu par hasard, j'ai été portée sur l'art. Tout a changé à 13 ans, après un séjour à l'hôpital, racontait la publique. Rien de grave, mais j'y suis restée quelques jours et cela m'a vraiment interrogée. Pourquoi est-ce que le docteur m'examine là? Pourquoi il me pose telle question? En fin de troisième, j'ai fait un stage chez un copain de mon père, chirurgien digestif. J'ai même pu l'accompagner au bloc. Et ça m'a plu. À 28 ans, Marine l'Orphelin fait toujours ses études en assumant plus de responsabilités. Il y a quelque temps, Marine l'Orphelin décrochait une place temporaire dans un cabinet en Nouvelle-Calédonie, où vit son futur mari Christophe. Une chance pour celle qui en fut privée durant des mois à cause de la pandémie. Si tout n'était pas simple, Miss France 2013 s'en est sortie comme une chef. Quid de la célébrité dans le monde de la médecine? Si la réputation de Michel Simet dans le domaine n'est plus à faire, celle de Marine l'Orphelin est encore toute fragile. De toute façon, ses patients ne la calculent pas toujours, ils me reconnaissent rarement, affirme-t-elle toujours dans public. Ils devraient peut-être le faire un peu plus dans les prochains mois. Loin de vouloir se cantonner à la médecine en cabinet, Marine l'Orphelin voudrait concilier son métier avec des campagnes de prévention et des chroniques sur différents supports. Un rêve presque réalisé, je serai à la rentrée sur RTL, dans l'émission Les Petits Matins pour des chroniques santé. Après Camille Serre, Iris Mittenaer et Amandine Petit, l'avenir des Miss est visiblement sur les ondes.